Bonjour. Dans ce tutoriel, on va regarder comment il est possible de faire réagir notre robot à la proximité d'un objet. Ce qui veut dire, si le robot se trouve en 10 et 20 cm, on va lui demander d'avancer. S'il se trouve entre 3 et 10 cm, donc si l'objet est plus proche, on va lui demander de reculer. Puis si il est au-delà de ces valeurs-là, donc en bas de 3 ou encore plus grand que 20, on va lui demander d'arrêter. Donc, première des choses, on va aller dans nos blocs déplacement. Comme à l'habitude, on va venir définir justement les trois propriétés de nos moteurs de déplacement. Donc, au niveau de la vitesse, je vais le définir à 25 pour pas que ça aille trop vite. Les moteurs de déplacement, c'est encore les BC. Puis, on va lui demander, lorsqu'il va être à l'arrêt, de maintenir la position. Ensuite de ça, on va aller chercher dans contrôle une première boucle, donc une boucle indéfiniment. Cette boucle-là va permettre justement au robot de continuellement vérifier si les conditions sont là. Et là, bien, on va avoir trois conditions. Donc, on va avoir besoin d'une boucle si alors, sinon, et une autre boucle qui va être si alors. Là, on doit intégrer justement, là, parce qu'on ne peut pas ajouter des si dans la condition. Donc, ce qu'on va dire, c'est une première condition, sinon, on vérifie la deuxième. Puis, sinon, on va vérifier. Oups, ce n'est pas ça qu'il fallait que je fasse, désolé. C'est deux si. Donc, première condition, si c'est entre 10 et 20, on va lui demander d'avancer. Sinon, si c'est entre 3 et 10, on va lui demander de reculer. Et sinon, ben, on va lui demander d'arrêter tout simplement. Donc, on va venir placer ces boucles-là dans la boucle répétée indéfiniment. Et on va aller chercher notre opérateur. Comme on a toujours, c'est un intervalle, on va avoir besoin de deux blocs et. Puis la dernière condition, on va tout de suite la placer. Si les deux premières sont pas respectées, on va lui demander d'arrêter tout simplement. Donc la première condition, on veut que si c'est entre 10,1 cm et 20 cm, le robot va tout simplement se mettre à avancer. Donc on va aller dans nos capteurs. On va prendre notre capteur de distance qui est ici. On va venir le placer. On va tout de suite le dupliquer. Donc, la première condition, on a dit si la valeur est plus grande que 10,0, 10,1 et plus petite que 20, on va demander au robot tout simplement de commencer à se déplacer, oups, pardon, tout droit. Sinon, deuxième condition, donc là, je vais refaire ce que j'ai fait, ça va être plus rapide, je vais tout simplement venir ici dupliquer. Et venir placer. Deuxième condition, on a dit si c'est plus grand que 3 cm, donc si on est très près, et 10, donc si on se rend à 10 cm, on veut que le robot se mette à reculer. Donc on n'a pas de bloc qui nous permet de reculer en continu quand on regarde au départ ici. Ce qu'on va faire, on va venir chercher le bloc déplacé ici, mais au lieu de mettre une valeur positive sur les deux roues, on va mettre moins 25. Et ici aussi, moins 25. Donc en mettant un négatif, le robot va se mettre à reculer. Donc mes trois conditions sont là. Donc entre 10 et 20, on avance. Entre 3 et 10, on va reculer. Sans ça, on se déplace. Donc si notre main se rapproche trop, le robot va se mettre à reculer. S'il s'éloigne, elle va se mettre à se rapprocher. Il reste à téléverser et faire les tests. Après ça, vous pourrez jouer avec les variables comme vous le désirez. Bonne découverte!